Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter cette lampe de bureau. Elle est vendue par Aglaia. Vous allez voir qu'elle est très jolie, très belle. D'ailleurs, on la voit ici. Elle a une puissance de 7 watts, donc c'est assez puissant pour un bon éclairage. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce haut. Si vous avez des questions à poser sur la lampe, posez-les en dessous. J'y répondrai dans les plus brefs délais. Et maintenant, je vous présente cette lampe de bureau Aglaia et vous allez voir qu'elle va vous plaire. Elle a un joli design et de très bonne qualité. Elle va vous plaire, c'est sûr. Bonjour, voici la lampe de bureau Aglaia. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est ici, hein, en photo. Donc, très bien, elle fait 7 watts, c'est marqué ici. Le modèle, c'est le LTT5. Donc, on va la sortir de l'emballage et on va la regarder ensemble. Donc, voilà comment elle se présente dans l'emballage. Comme vous pouvez le voir, elle est bien protégée. Vous avez le mode d'emploi, l'alimentation et la lampe. Donc, je vais tout sortir et on va regarder ensemble. Donc, voilà tout ce qui se trouvait dans la boîte, hein. Donc, on a le mode d'emploi qui est ici. On va regarder s'il y a une partie en français. Oui, on a bien une partie en français de la page 11 à 15. C'est marqué ici. Donc, ça, c'est très bien. Donc, je vais regarder ce qu'ils disent. Donc, sur la partie en français, bon, vous avez le contenu, l'emballage, les spécifications de la lampe. Donc, ils disent bien qu'elle fait 7 watts, hein. Donc, ça, c'est très bien. Donc, ici, on a le schéma de la lampe. Les différents réglages, le bouton tactile, on va regarder ça après. Brancher l'alimentation. On peut aussi y brancher notre smartphone pour le faire recharger. Donc ça c'est très bien. Franchement génial. Donc on va regarder ça ensemble. Donc je vous montre tout ça de près. Donc ici vous avez les spécifications de la lampe. Hein. Voilà. Donc ici nous avons le schéma de la lampe. Nous avons les différents ajustements, donc les différents réglages possibles, hein, orientation de l'éclairage. Ici, on voit bien qu'on peut recharger notre smartphone. Donc c'est pareil, c'est un plus. Très bien, après, il parle de garantie et comment les contacter ici. Donc franchement, il y a vraiment tout, elle est complète cette lampe. Hein. Et en plus de ça, vous avez un mode d'emploi en français, donc à regarder. Donc je le mets ici. Hein. Voilà. Donc ici, nous avons l'alimentation. Alors, je vais tout de suite ôter le fil, voilà. Voilà le câble. Alors tout de suite, on voit que c'est un bon produit. Hein. C'est de la qualité. On voit que les plastiques sont solides. Il n'y a pas de craquement, il n'y a rien. On voit bien que c'est bien fixé. C'est vraiment quelque chose de très très bien. Bonne qualité, hein. Une belle finition en tout cas. Donc le fil, voilà. Ici, on a la prise qu'on va brancher sur la lampe. Très bien. Et donc là, vous avez l'alimentation, ce qu'on va brancher sur notre prise électrique. Donc pareil, hein, comme je vous l'ai dit, très bien, bonne qualité, bonne finition, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Très très bien. Au niveau du fil, on en a 1,50 m, donc de quoi la brancher là où qu'on veut, donc ça c'est vraiment très bien. Donc bravo, encore bien ici. Hein. Et voici la lampe. Alors, je vais vous dire tout de suite, le socle, il est lourd, hein, ça pèse. Donc ça c'est très bien, ça veut dire qu'elle va être stable. Donc un vrai plus, voilà, je vais la mettre comme ça, qu'on la voit bien, voilà. Donc, et voilà, vous remontez. Alors ici, vous avez une articulation qui vous permet de bien remonter le pied. Voilà, tout simplement. On va venir embuter. Voilà, et il faut embuter, ça ne bouge plus. Et vous voyez qu'elle est quand même en porte-à-faux et ça ne bouge pas. Le socle, il est lourd, donc ça ne va pas bouger. Donc vraiment très bien. Au niveau de l'orientation, on l'oriente comme on veut, facilement et reste bien en place. Ça, c'est vraiment un plus. On peut l'orienter aussi dans ce sens-là. Par contre, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si je veux éclairer vers le haut, je vais le mettre comme ça. Ça va éclairer vers le haut. Sur la table, comme ça, c'est très bien. Le bouton tactile ici, un vrai plus. Bon, Aglaia ici. Nous avons la prise USB pour recharger les smartphones. On va la brancher ici. Et à l'arrière, on a la prise pour venir brancher, bah, sur le secteur. Alors en dessous, voilà, parce que c'est tellement grand, voilà, ça prend beaucoup de place. En dessous, vous avez 5 patins pour venir la reposer sur votre bureau ou là où vous l'aurez mise. Donc très bien. Très bonne qualité, hein. Les plastiques sont très très bien, hein. C'est vraiment très bien fini. Vraiment une jolie lampe. Au niveau de l'articulation, voilà, je vous la montre de près, l'articulation qui est ici, hein. Vous pouvez voir que c'est vraiment vraiment du solide, c'est du sérieux, hein. Franchement, très très bien. Et je vous dis, là, il y a le...
le pied, on le sent au niveau du pied. Hein. Il y a du poids, donc ça c'est très bien, c'est pour la stabilité, c'est beaucoup mieux. Au niveau de la lampe, voilà, je peux la tordre dans tous les sens, donc c'est pas plus mal. Vous avez la partie éclairage, là où il y a les LED. Donc ça c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien fini, joli. Ici c'est pareil. Alors, la matière qui est ici, c'est une matière plastique douce. Ça, c'est un peu comme le velours, hein. C'est vraiment agréable au toucher. Vraiment très très bien. Et vous voyez que la partie qui se coude, voilà. Mais ça va aussi dans l'autre sens, donc c'est très bien. Elle se fait dans tous les sens. C'est franchement génial. Au niveau orientation, il n'y a pas de limite, hein. Vous pouvez l'orienter vraiment comme vous voulez. Donc je vais la brancher et on va regarder l'éclairage. Et après on regardera comment recharger un smartphone ici, si ça fonctionne ou pas. Donc je vais la brancher déjà pour l'éclairage. Donc voilà, je vais venir brancher sur l'arrière ici. Voilà. Donc vous la voyez bien, très bien. Et donc voilà, je l'ai branché sur une prise de courant hein, qui était au sol. Donc comme vous pouvez le voir, il y a du fil, hein, donc ça c'est très bien. Avec 1m50, on peut la brancher facilement. Et donc là c'est tactile. Donc il y a trois positions, on va la regarder ensemble. Voilà, donc là j'ai un éclairage, on va dire, mini, le plus petit. Alors attendez, je vais l'orienter un peu plus vers vous. Voilà, comme ça vous pouvez voir en même temps. Donc là c'est le premier des éclairages, donc c'est vraiment le minimum. Je vais augmenter l'intensité, voilà, plus fort. Et le dernier, pleine puissance. Et si je rappuie une fois, j'éteins. Donc très bien, et vous avez pu voir qu'au niveau diffusion, c'est vraiment large. Hein. C'est pas sur une zone bien précise. Ça va être sur une large zone. Donc, quand vous faites de la lecture ou vous avez des documents à remplir, c'est quand même plus agréable que d'avoir un point centré ou qu'on est obligé de suivre. Là, vous allez avoir toute la zone éclairée. On éclaire sur une large zone. C'est très, très bien. Donc, on peut la rallumer. Voilà. Et vous voyez qu'au niveau tactile, ça fonctionne vraiment très bien. Mettre pleine puissance, j'aime bien. Voilà. Très très bien, franchement c'est génial. Et si j'éteins la lumière, voilà. Donc vous voyez que ça diffuse bien, hein. C'est éclairé, c'est vraiment bien éclairé partout là. Donc c'est vraiment très bien, ça fonctionne très bien. Le manuel, vous le voyez bien, vous voyez que il est bien éclairé. Si je le trouve ici, c'est pareil. Donc c'est vraiment bien, ça diffuse bien, vraiment agréable. Hein. C'est pas une lumière qui est vraiment dure. C'est plutôt une lumière douce, bien diffusée, c'est vraiment agréable. Donc encore un plus. Donc maintenant, je vais charger un smartphone et on va regarder ensemble. Donc voilà, j'ai été chercher mon smartphone. J'ai pris le câble USB pour le recharger. Donc je vais tout brancher. Et on va regarder si ça recharge bien. Voilà. Et ça recharge bien. Donc c'est vraiment génial. Donc comme vous avez pu le voir, c'est une lampe qui est complète. Hein. Trois puissances d'éclairage, une prise USB ici pour recharger tous vos appareils, un bouton tactile qui fonctionne très bien, avec un socle suffisamment lourd pour pouvoir maintenir votre lampe en place, peu importe ce qui arrive. Hein, voilà, vous voyez, je la bouge. Elle reste bien en place, orientable à souhait. Donc franchement, très très bien. Voilà. Et vous voyez qu'on peut la diriger vraiment dans tous les sens. Hein. Voilà. Donc franchement, et vous voyez comment ça diffuse bien. Ça fait même de près, on n'a pas un cercle bien décrit. Hein. C'est diffus, c'est très bien. Voilà. Et si je vais mettre comme ça, voilà. Donc génial. Donc c'est une lampe de bureau qui est vendue par Aglaïa. Elle est de très bonne qualité. Elle a une finition parfaite, elle a trois puissances d'éclairage possibles, une prise USB pour recharger tous vos appareils. Je peux que vous la conseiller, elle est géniale, franchement elle est très bien. Et elle a un beau design en plus, donc c'est très très bien. Donc je vous la conseille, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et pour tous les amoureux de la lecture, hein, c'est vraiment génial. Regardez, la lumière est bien diffuse, hein, il n'y a pas de souci, c'est vraiment correct. Hein. Vraiment agréable. Donc je vous la conseille. En plus, une belle lumière blanche, c'est génial. Faites-vous plaisir.